Tu as faim? Et maintenant? On rentre. La tempête se renforce. Je prépare l'attelage. Tu veux de l'aide? Tu es prêt? J'espère que Fenrir a pu dormir. Il voudra peut-être manger quand on arrivera. Il est très malade, Atreus. Je sais. Pourtant, il allait un petit peu mieux hier. Non, ça bouge. Tant qu'il mangera, je ne veux pas baisser les bras. C'est bien elle. Le symbole est proche. Tiens-toi prêt. Ah,
ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas son genre. Méfie-toi! Je te tiens! Viens pour la distance! J'essaye! Là-haut! Attention! Des armes! Une zone! Échappez belle! Elle revient à l'attaque! Je ne veux pas te combattre! Je vais pas tenir longtemps! Je te tiens! Accroche-toi! Le symbole de protection est proche! Oh non! Freya, nous ne sommes pas une autre! Freya, attends! Ne me force pas à faire ça! On est sauvés. Rentrons chez nous. Speki, Svana, hop. Je suis désolé de ne pas avoir tiré. Je ne voulais pas que tu tires. J'espère encore qu'elle renoncera. Après tout, tu l'as sauvée. J'ai tué son fils. On ne pardonne pas ces choses-là. Oui. Et Baldur a dû marquer le début de Fimbulwetter. Il neige sans cesse depuis. Tu crois que ça s'arrangera un jour? Un jour. Mais le pire est encore à venir. Nous devons faire face. Je vais le faire. Je m'occupe du cerf. Régalez-vous.
Je ne l'entends pas. Il nous salue toujours. Atreus. Fenrir ! Ça va, mon grand ? Aussi. Où est ton repas? Tu as encore faim? Allez, mon grand. Il faut que tu manges. Mange. Quoi? C'est trop gros. Encore, il veut vivre. Il est mourant. Tu es un bon loup. Un très grand loup. Rapide et fort. Mais tu peux te reposer. Ne t'en fais pas. Tu peux partir maintenant. Tu dois me laisser. On va s'entraîner. Quoi ? Non ! On est au beau milieu de la nuit. La nuit n'arrête pas nos ennemis. Pourquoi ? À quoi bon ? Il ne fait que s'entraîner, sans répit. Ça suffit pas. On ne peut pas vivre caché. On ne se cache pas.
On se prépare à un combat pour lequel on n'est pas prêt. Allez. Le temps nous est compté. Les prophéties disent que Fimbulwetter précède le Ragnarok. La guerre approche. Quel que soit le rôle de Loki, il commence dès maintenant. Mon histoire ne peut pas se finir dans ces bois. Je devrais partir. Découvrir qui je suis, qui est Loki. Je ne te permettrai pas de défier les dieux. Je ne veux défier personne. Je veux des réponses. Et si ces réponses mènent à une guerre contre Asgard? C'est peut-être ce que Mère voulait. On ne sait pas ce que voulait ta mère. C'est pas prêt de changer. S'il te plaît. Je peux rester un peu seul avec Fenrir avant de l'enterrer. Mince, je reconnaîtrais cette sombre expression entre mille. Tu veux me raconter ce qui s'est passé? Le loup est mort. Ah non, pas Fenrir. Comment va le petit? Il va mal. Il va aller l'enterrer. Ah, bon sang. Bien, mon frère. Bonne nuit. Kratos? Tu viens avec moi? Faye. Es-tu prêt? Tu marches comme si Ymir lui-même se tenait sur ton dos. Tu mènes la chasse. Je te suis. Très bien, grognon. Tué il y a peu. Au moins, il n'a pas souffert. Dois-je interpréter tes grognements? À quoi penses-tu? On chasse un prédateur. Un loup? Oui. Les prédateurs tuent. C'est dans l'ordre naturel des choses.
Tes paroles sont erronées. Approche, doucement. Tout va bien, mon grand. On veut t'aider. N'est-ce pas? Non, non, ne... Oh. Viens. Le loup malade que nous avons trouvé, il a passé le symbole. Comme je l'avais dit. Nous aurions dû agir. Ce n'était pas notre problème. Maintenant, ça l'est. Un problème n'a pas à être à nos portes pour relever de notre responsabilité. Si nous avons le pouvoir d'empêcher qu'il cause du mal, il nous faut agir. Qui sommes-nous pour ignorer et laisser faire? Nous ne nous cachons pas. Par ici. Tu me laisses me charger de celui-là? C'est bien. Mon tendre amour. Et il y a beaucoup à faire. Mon frère! Mon frère! Mon frère? Pourquoi crois-tu que je beugle? Il n'est pas rentré après avoir enterré le loup. Ça fait déjà un moment. Il ne peut pas être loin.
mon frère. Je suis certain qu'il n'est jamais rentré. A-t-il pris un raccourci via le monde entre les royaumes ? Non. Les pierres n'ont pas bougé. Le pas de Baldur est trop instable, mon frère. Il ne s'y serait pas risqué. Ça n'a pas été ouvert. Pas de traces par ici. Voyons. Des traces qui mènent à la rivière gelée. C'est certainement là qu'il a enterré le loup. Tu penses vraiment qu'il s'entraînerait ? Au beau milieu de la nuit ? C'est ce que je lui avais conseillé. Vraiment ? Mais pourquoi donc ? Il était en deuil. Oh, Kratos, je sais que tu essaies. Mon frère, le sol est plus meuble au bord de la rivière gelée. C'est là qu'il a dû creuser. Veux-tu aller voir ? Verrouillé. Oui. Le feu se meurt. Où a-t-il bien pu aller ensuite ?
Il a rampé par là. Ton sommeil semblait agité. Plus que d'ordinaire. Des cauchemars ? Je rêve du passé. Presque toutes les nuits. Ah, la triste époque, en Grèce ? Non. C'est comme si Faye voulait me dire quelque chose. Ne me dis pas que tu parles à nouveau aux fantômes, mon frère. Non. Mais c'est plus qu'un simple souvenir. Parle-moi, mon frère. Les traces s'arrêtent là. Trento ! Et nous ne sommes pas seuls. Jetons un œil au symbole de protection. Il y a un arbre pas loin, non ? Cela explique nos visiteurs. Que s'est-il passé ? Un ours, mutilé. Mais par quoi ? Un plus gros ours, blessé. L'affrontement a brisé l'arbre. Retrouvons Atreus. Bien. Entre les bêtes sauvages et les maraudeurs qui rôdent, il a dû chercher refuge. Suis sa piste. Nous le trouverons.
Non. La piste continue de l'autre côté. Tu peux y arriver. Sais-tu ce qui a poussé le petit à s'en aller ? Une dispute. Il me reproche de... me cacher de Odin. Ouais. Il est normal de faire profil bas après avoir tué trois des siens. L'heure du jugement approche. C'est pourquoi Atreus doit apprendre à survivre seul. Oh, c'est à propos de cette prophétie. Parce que tu t'es vu mort sur un mur géant plein de... prédictions, ma foi, c'est juste. Je ne crois pas aux prophéties. Eh bien, tant mieux. Voilà beaucoup de sang, mon frère. Il faut le trouver. Que tiens-tu pour vrai dans les prophéties, Mimir ? Je suis sceptique par nature. Mais nous avons vu des choses qui défient la logique. Donc, en tant qu'homme le plus intelligent qui soit, je suis totalement perdu. Maraudeur sur la gauche. Où est passée cette piste ?
loin d'ici. Je sais à quoi tu penses, mon frère. Mais Atreus peut s'en sortir seul. Tu l'as bien éduqué. Il me le dit sans cesse. Il faut trouver un autre chemin. Et la piste mène dans cette grotte. Eh bien, on sait où on va. Je suis sûr qu'on peut y entrer discrètement. Ou de cette manière, oui. Maraudeurs desquels tu as sauvé les loups. Non. Ils sont là depuis peu. Eger Vermir. Hegiskin Elder. Altafkart. Kjot Vermir. Lord Vermir. La piste passe par ici et s'enfonce plus encore. Il en viendra d'autres.
Quelqu'un a croisé notre ours. Elle a une fille. Attention, mon frère. En dessous, attention. À gauche! Atreus, es-tu là? Bien, ce n'est pas plus mal. Trouvons une sortie. Peut-être qu'Atreus cherchait un abri et a poursuivi sa route en voyant les maraudeurs, avant que l'ours ne débarque. Un sacré carnage, faut bien le dire. Crois-tu que l'ours pourchassait Atreus? Oui. Ou alors l'ours était blessé et Atreus le poursuivait pour l'aider. Tu connais le petit. Oh!
Atreus! 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 Quoi? Doucement, concentre-toi, Kiri. Que s'est-il passé? Tu ne te souviens pas? J'ai enterré Fenrir. Et après, je ne sais plus. J'étais si triste. Puis j'ai ressenti de la colère. Et de la peur. Je me rappelle avoir couru. J'ai vu un ours. Il a chargé et je l'ai attaqué. Mais ça devait être un rêve. Tes émotions, elles t'ont transformé. Je savais pas que je pouvais faire ça. Ce n'est pas toi, tu n'y es pour rien. Elles ont pris le dessus. C'est pour cela qu'il faut continuer à t'entraîner. Nous ignorons l'étendue de tes pouvoirs. Il serait dangereux sans la discipline pour les contrôler. Tu m'as déjà enseigné la discipline. J'ai besoin de plus, il me faut des réponses. Et tu ne les as pas. Seule ta mère avait ses réponses. Et elle les a gardées pour elle. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider ? Quelqu'un qui aurait des réponses sur les géants et le rôle qui est censé jouer Loki. Atreus. On ne devrait pas savoir ce que je vais devenir. Atreus, écoute. Écoute-moi. J'aurais pu te tuer. Tant que tu n'as pas le contrôle, nous ne prendrons aucun risque inutile. L'inaction est aussi un risque. C'est toi qui me l'as appris. Arrête de penser comme un père et pense plutôt comme un général. Non !